Salut à tous et bienvenue, je suis Linklegeist pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Et non, le jeu, j'ai pas besoin d'astuces, laisse-moi tranquille. Laisse-moi commencer mon épisode tranquillement. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Last of Us 2, après ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Si vous l'avez pas vu, bah je vous invite vraiment à y aller parce que voilà, c'est la merde. Mais bon, nous, on continue. On est donc arrivé à Seattle, hein. On va essayer de partir en chasse, dirons-nous. Qu'est-ce que... Passage? Oh! Oh oui! De la ferraille, je prends. Je veux des boulons! Tout plein de boulons! Et je dis pas ça parce que j'ai recommencé à jouer à Ratchet & Clank. Des cellules. Il y en avait aussi à Boston. Mais je veux pas d'astuces, laisse-moi tranquille! Ça, j'embarque. Et ça a l'air pas mal. Ah, parce que, en gros, bon, vous doutez bien que je tourne cet épisode d'aujourd'hui à la suite de l'épisode que vous avez vu précédemment. Et donc, le jeu considère que j'ai passé du temps dans cette zone et donc veut me donner des indices sur où il faut aller, tout ça, tout ça. Sauf qu'au final, bah, j'ai pas cherché. J'ai pas encore cherché. Donc bon, le jeu, il est bien gentil. Et il va se calmer. Ouh, ça a l'air pas mal, ça. Ça passe. Parce qu'en soi, on peut pas aller directement sur ce bloc-là. Est-ce que je peux, genre, monter? Genre, pas un petit truc planqué? Sachant que c'est pas forcément sur lequel on peut monter directement. Ah si, quoique, peut-être, en fait. Bon. Pas grave. Au moins, on aura visité. Voilà. On a visité le toit de la maison. Très bien. Alors ça, on va éviter de se vautrer, hein. Ce serait pas mal, aussi. Alors, trouver quelque chose, c'est vite dit. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas s'accrocher aux lières. J'ai... Ah, là! J'avais pas vu. Dina, viens. Aide-moi à grimper. Merci bien. Bon. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. On y travaille. On va y travailler. Alors là, par contre, on va éviter de se vautrer. Ce serait bien. Là aussi. Pas quelque chose à récupérer tant qu'on y est. Non, ça n'a pas l'air. Ah, on va devoir jouer sur l'équilibre, très bien. Parce que moi je suis passé en mode bourrin, mais... mais il va falloir faire gaffe à pas tomber. Bah par là j'imagine. Oh, il pue ce saut. Il pue! Blagabla! J'avais dit il puait! J'avais dit, hein. Mais bon, je voulais tenter. Bah tiens, même pour sauter en sprintant, bah qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Ok, et là ça passe. Je vais bien. J'ai juste failli crever. Ah non, non, tu l'as fait. Tu l'as fait une fois d'ailleurs, je... Bon. Ouais. Donc ça, c'est notre terrain de jeu. Très bien. Eh ben, baby de Dieu. Ils sont où, ces enfoirés? Ouais, bonne question. Bon, ça m'aurait étonné qu'on les trouve dès l'entrée, mais bon. En croiser déjà un, ce serait pas mal. Et hop là. C'est bien rétamé la gueule. Maintenant, on peut y aller.
Oh genre! Oh genre! Et est-ce que à tout hasard? Non. Voilà, merci bien. Oh, excuse-moi, Dina, j'arrive. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok, je me demande de quand ça date. Porte principale 512. Quoi, c'est des. J'ai rien compris. Pour la grande opération qui se profile, Isaac veut récupérer toutes les dernières réserves du centre-ville, récupérer de l'essence. La base, c'est Revena. Au parking okay, du tribunal, au dôme, et rapporter tout à la base, c'est Revena. Ok. Pourquoi pas. Y'a que dalle. Est-ce que je peux l'ouvrir de ce côté? Ah voilà, impeccable. Ah bah tiens. Voilà, comme ça au moins on l'aura. Ça servira. Mais évidemment. D'accord. Comment je vais pouvoir t'activer? J'en ai absolument aucune idée. Mais alors genre vraiment, j'en sais que pouic. Là, on n'a rien. Bon, eh ben, on va aller voir de ce côté-là. Ah, voilà le générateur. Ok. Hop. Et hop, voilà. Bon, au moins, il marche encore. Bah boum! C'est que j'ai même pas regardé. Ah, j'aurais pu faire ça en vrai. J'aurais pu, mais bon. Non, non, t'as pas besoin, t'as pas besoin. Ramasse pas tout. Ah, fais chier! Allez hop. Okay. Ouais, alors par ici, t'es bien gentil. Ah, par là. Hé, hey, tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. Bon, porte 1, c'est géré. Maintenant, porte 2. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, tout plein de trucs! Oh, il y a au moins deux boutons. Là, il n'y a rien. Ça aurait été trop facile. Ça aurait évidemment été trop facile. Du matos. Bon, par là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Mais ouais, non, pour le coup, l'ambiance visuelle, là... Bon, j'imagine que c'est fermé. Évidemment. On pourrait pas passer par-dessus, par hasard. Parce que là, il y a du barbelé, mais c'est du coup, c'est chiant. Il n'y aurait pas moyen de passer par-dessus. Non. Là, il n'y a rien. Comment ça se passe? Je cherche. Et je t'ignore copieusement au passage. Non. C'est moi qui suis débile ou... Oui, ça, on sait déjà. Ah. Pas. Ah non. Non.
Non. Voilà, j'avoue que je sèche. Ah ! Là. Ah. Il y a pas de jus. Évidemment. Du coup, maintenant que le truc est ouvert, est-ce que si je coupe celui-là ? Eh ben impeccable. Bon, alors par contre, on va le faire repasser là-dessus. Et passer là-dessus. Ça va bien se passer. Hein. J'avais juste pas vu le truc sur le mur. Et maintenant... Ici, toi. Voilà. Oui, j'ai la flemme de faire le tour, excusez-moi. Oh, passcode, sérieux? Ah oui, j'avais pas vu. Bon, C'est pas celui-là. Bon, déjà, c'est un code à 4 chiffres. Et ben, est-ce que ce serait pas sur le papier qu'on a eu tout à l'heure? Le journal, non, ça c'est les cartes, on s'en fout. La montre de Joël, pendentif de Luciole de Gênes. Code des postes de contrôle, voilà. Main gate 0512. Alors, 0, 5, 1 et 2. Yes. Bien joué. Romis de Dieu. Allez, viens, on s'en va. On a assez traîné dans le coin. Ouais, j'approuve. Allez, mon petit paillette. Ça peut-être paillette ça, bah oui. Allez, on y va. J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher. Avec un petit on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Bon, bah ça a l'air fermé ici, donc on va quand même regarder s'il n'y a pas du matos, hein, dans l'idée. Bon, ça a pas l'air. Allez, go. Merde, regarde. Et ben voilà. C'est Revena. Ça doit être là. Objectif en vue, Captain. Okay. Trouver le moyen de franchir le portail Fuck Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Mm-hmm. Tu connais le code? Il y en avait plein sur la note que j'ai trouvée. Mais il faut relancer le générateur du portail. D'abord. Est 2. Est 2. Est 2, 5345. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'électricité. Donc 5345. Tâchons de s'en souvenir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est parti. Ah, raté. Bébé. Ah, y'a plus d'essence. Plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben on cherche de l'essence. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour y aller? Je sais pas. On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois? Alors, qu'est-ce que ça dit? Recensement de la ZQ de Seattle. Ouais, bon. Hein. En raison des assauts répétés du WLF sur nos lignes de ravitaillement, des attaques d'infectés, de la diffusion des spores, nous sommes encore dans l'incapacité de fournir des rations alimentaires. Parce qu'un nouvel ordre n'accueillait aucun réfugié. Ouais, bon, voilà. Abruti.
Vous avez monté tout le monde contre vous. Eh bah ouais, apparemment, hein. Bon, du coup, le dôme, ce serait donc par là-bas, j'imagine, parce que c'est le seul chemin possible pour l'instant. Oh, attendez. C'est ouvert, ça, là-bas? Non. Avec le côté sombre des fenêtres, j'avais l'impression que c'était ouvert, qu'on pouvait passer. Du coup... Ça me paraît quand même beaucoup trop calme pour l'instant. Hein. Enfin, après, bon, c'est arrivé que dans The Last of Us, premier du nom, il y avait des moments un peu plus calmes. Mais là, j'avoue... Bon, où est-ce qu'on est? Waouh, bah le dôme, j'imagine que c'est devant. Maintenant, pour arriver à la carte, donc techniquement... Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. D'accord, donc techniquement, le dôme, ce serait genre ce qu'il y a deux rues devant. Mm-hmm. Et là, je sais rien. Ok, bon, bah de toute façon, on va dire qu'on va aller globalement vers le dôme, hein, ça me paraît assez un bon point de départ. Quoi, ici je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mur. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Les deux. Ouais. Merde. Merci Ellie. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Bon, je fais quand même le tour, hein, parce que j'ai dit objectif, aller au dôme, mais bon. Fasciste. Ah oui, bah si tu veux, oui. Très bien. Zone de la carte ajoutée, c'est-à-dire. Oh, il y a un truc ici, mais quoi? Est-ce que je peux en descendre, hein, peut-être? Ah! C'est-à-dire... Waouh, très bien. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement. Il se cachait peut-être. Il a des chances. Ouais, on peut dire ça. Bah, en vrai, quand tu vois l'impact de balle, oui, je pense qu'il se cachait. Hein. Il y a plein de matos. Tout est en place, nous vous attendrons. Une fois le convoi arrêté et les officiers de la Fedra capturés, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Ah, je sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur de te faire prendre. Ta loyauté envers la cause est appréciée, Isaac. Ouais. Ils avaient donc une top, le fameux Isaac. Et du coup, est-ce que ça a validé sur la carte ou... Non, non, non. Centre de la carte explorée. Ok, donc ça, elle l'a barré, ça veut dire que c'est fait. Bon, c'est cool si on est un peu libre de se déplacer comme ça dans la ville, en vrai. Parce que bon, au final, le 1 était quand même très, très, très linéaire. Hein. Bon, non pas que ce soit un défaut, parce que bon... Je serais probablement devenu un de ces foutus soldats. Impossible. Hé, je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais? Tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ah, oui. Court House. Ah, effectivement. Bien vu, Sherlock. Mais cet endroit sur la carte. Mais oui, en soi, le 1 était très linéaire, très dirigiste. Mais bon, au final, c'était pas mal, puisque on n'en souffrait pas dans le sens où tu suis l'histoire et tout va bien. Mais j'avoue que d'avoir rajouté peut-être un peu d'exploration, bah, je dis pourquoi pas. À voir s'il y en a pas trop. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, donc... Bref, qu'est-ce que tu caches? Bon, ben on saura pas. qu'est-ce que c'est? A priori, il y aurait du matos dans une banque. Pour aller jeter un œil. J'ai entendu dire que la banque de Westlake n'a jamais été fouillée. Si c'est vrai, elle doit être remplie de matériel d'avant l'épidémie.
On devrait y aller si on y trouve assez d'armes. Je connais des gars avec qui on pourra les échanger pour se tirer de ce trou. Allez, j'ai pas les couilles d'y aller tout seul. Aaron. Voilà, CF, ce que je disais en début d'épisode. Hein. Non, début d'épisode ou dernier épisode, je sais plus. Ah, c'est dans le dernier épisode, voilà. Comme je dis, je tourne les deux d'affilée. Donc j'avoue, je sais plus. Mais voilà, bah, okay. Parfait. On a les deux. C'est quoi ? Ouais, donc... donc impossible. Je te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine de Seattle serait moins... déserte. Ouais. Peut-être qu'ils sont tous planqués dans la base Cerevena. Il y en a combien des WLF d'après toi ? Ben, au moins 8. Ouais, minimum, non ? Si on a de la chance, il n'y en a pas plus. Ça va aller. Faut rester sur nos gardes. Et faisons le plein. Ouais. À faire le plein de matos. Bon, c'est évidemment pas ouvrable. Donc ce serait... Ah mais attendez, non, c'est pas ça, si. Ouais, si, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Bah du coup... Après, non, le tribunal, c'était pour trouver de l'essence. En soi, pour l'instant, moi, je préfère fouiller. Hein, je l'ai. On a déjà entendu parler d'une banque. Dans lequel il pourrait y avoir du matos. Donc bon, si on peut fouiller et trouver cette banque, moi clairement je dis pas non. Ellie, je crois que Payette est malade. Hein ? Quoi ? Comment tu le sais ? Elle a une fièvre de cheval. Oh non. T'es pas sérieuse. Allez, elle était bonne celle-là. Ok, il y aurait un resto. Ce serait ça le resto ? Mais non, je regardais s'il y avait des infos. Et oui, pour le coup, j'avais oublié qu'on pouvait péter les vitres. Qu'est-ce que ça dit ? Salut Davis, regarde dans les anciennes planques du WLF si tu trouves des réserves. Il y a peu de chance, mais on sait jamais. Prends tout ce que tu peux et retrouve-nous au Cerevena. T'en fais pas pour le carburant, on s'en occupe. Tout plein de loot. Joël adorait le café, non? Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. J'ai brûlé. Merci. Bon goût, mon cul, ouais. Ah bah je suis bien d'accord avec vous, les filles. Oh. Un café, c'est dégueulasse. Bon, c'est quoi cette carte? Voyons voir. Ouh, c'est Big Blue! C'est le gros Blue! du coup. Tac, est-ce qu'on a quelque chose par ici? Ouais, c'est bon, j'ai ramassé. Ok, il m'a fait... Il m'a fait peur, ce con. Ah, il a fait un stackage, lui, de Dieu. Ouais, j'avoue, il m'a fait flipper. J'étais en train de me dire... Putain, ce serait marrant qu'il y ait un zombie, là. Ouais. Oh. Ça ouvre quoi? Les clés de Barcos. Il y a marqué Barcos dessus. Elle ouvre quoi, à ton avis? Je sais pas. J'arrive pas à lire. L'œil. On pourrait aller y jeter un œil. 900 Marion et 6ème. Donc ça va, on va regarder sur la carte. Mais oui, pour le coup, en fait, en entrant, je me suis dit, tiens, ce serait marrant qu'il y ait un zonzon. Et bah, bah voilà. Hein. Il m'a fait sursauter, ce con. Voilà. On avait dit que c'était trop calme. Bah ça y est. Oh, tot. Un petit snack. En même temps, il me manquait un peu de vitre. Voilà. Il ne restera plus une vitre avant que je me parte d'ici.
Ça, c'est pas mal, ça. On a pété la vitre sur laquelle était accrochée une affiche. Du coup, l'affiche s'est envolée avec le vent. C'est très con, mais c'est pas mal. Bon, voyons voir. James, voilà, Marion est sixième, on a dit. Donc ce serait au coin, là où le point d'interrogation a été rajouté au milieu. Allez, go! Donc là, il faudra qu'on revienne pour voir le carburant, qui entre guillemets serait la quête principale. Pour l'instant, à Ouest 2. Je crois que c'est sur Ouest 2 où il n'y avait pas marqué de code, mais là ça a l'air ouvert. Où est-ce que tu vas? Il y a un truc au fond. Use gate code. Oh! Quoique Ouest 2, du coup, faut voir s'il y a un code, puisqu'il faut utiliser le code de la porte pour ouvrir ça. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Code des portes. Voilà. Enfin, code Ouest 2, 0451. Enfin, 0451. J'imagine. Oh mon dieu! Oh ça va. 5-1. Oh, et bah ça fait un coffre de plus. Ouh matos! My! Et on a le trophée première carte! Ainsi que la carte donc à collectionner Flo. On va regarder. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, ça c'est fouillé du coup. Je veux voir la carte Flo, moi. Flo. Oh, sympa. Très sympa. Oui, on va les regarder, toutes celles que je vais récupérer. On va évidemment les regarder. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? Fermé, j'imagine, avec rien sur le côté. Avec rien sur le côté, évidemment. Et ça là-bas, c'est quoi? À part être fermé, c'est quoi? Cela dit, c'est des vitres. Ah, c'est des vitres incassables. Comme quoi, je commençais à choper le réflexe et en fait, bah, pas tout le temps. Hein. Là, il n'y a rien. Il y aura un chemin qui montrait là-haut, apparemment. Il y a un chemin qui passe dans la ruelle. Qu'est-ce que... Oh! Du loot! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était un sac, d'accord. Gavin Derek a eu des problèmes avec une fenêtre cassée la semaine dernière. Ce con aurait perdu sa jambe si on ne l'avait pas emmené vite fait au Cerevena. J'ai décidé de laisser du matériel à divers endroits du centre-ville pour de futurs cas d'urgence, jambes cassées, infections, conneries de Derek ou je ne sais quoi. Puisque tu vas par là, tu veux bien ravitailler la planque du poste de contrôle Ouest 2. La porte n'a pas été ouverte depuis des années, mais le code est toujours celui de Ouest 2, signé Allison. Du coup, du matos. Très bien. Bon. Bah, ça veut dire qu'il y a plein de planques un peu partout en fait. Donc bon, il va falloir voir ça. Vas-y, sors la carte. Ouais. Ouais. Je suis quand même curieux d'aller voir l'animalerie tout au sud. On va peut-être trouver des croquettes pour paillettes. Hein. Oui, des croquettes pour cheval, oui. C'est quoi le problème? Allez Dina, on se dépêche. Merci bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir aller tout au sud déjà? Pour l'instant, ça a l'air.
Donc le dôme, ce serait ça, j'imagine. Ça ressemble bien à un dôme, ce truc au sommet du bâtiment, là. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est bon, c'est sur la carte. Très bien. Du coup, après la prochaine sortie, à gauche. Bon, on va trouver une sortie dans ça. Mais c'est sur la gauche. Oh, vise un peu le char. Le char ? Où c'est un char ? Oh, un char ! J'avais pas vu ! Bon, d'abord l'animalerie. Oula. Quelqu'un a campé ici. Ça a l'air récent. Tu crois que c'est Peut-être. Du coup, je suis où là exactement ? Ah, c'est encore plus au sud, mais là je peux pas y passer, donc faut voir si on peut faire le tour par ici là. Est-ce qu'on va pouvoir faire le tour ? Là, ça passe pas. Peut-être en passant par là, ouais. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Ah, la banque. Comme tu veux. Mais c'était pas censé être une animalerie ici. Allez, descends. Ouais. J'aime le risque. Mais c'est pas un peu trop dangereux, ça ? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Je le sens pas. Ouais, mais là on arrive direct à la banque. Ouais, mais j'ai pas envie de fouiller la banque de suite, moi. Attendez, il y a de la quête principale. Enfin, il y a de la quête annexe à fouiller partout. Moi, je veux aller voir. Je veux voir ça. Je veux pas fouiller la quête principale tout de suite. Allez, remonte. Mais... Non, attendez. 900 Marion, c'est... Marion est 6ème. Ah, mais c'est pas du tout là, en fait, parce qu'ils me l'ont marqué en bas. Mais non, c'est pas du tout là. Je sais pas pourquoi je suis parti dans l'idée que c'était tout en bas, mais non. Ce serait globalement en face de moi, en fait. Music shop, hey, non. Magasin de musique Valiante. Il y a peut-être du matos. Ouais, mais c'est pas ce que je cherche pour l'instant. Là, je l'ai. Marcos, hey, c'est pas sur la clé que t'as trouvé. Toc toc. Et Kika ? Non, là il y a... Non. Bon, revenons par là. Barcos Deliveries. Par là. Tiens, petit lapin ! Qui est parti en courant. De loin et de dos, ça ressemblait à un lapin. C'est peut-être pas un lapin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une petite bestiole. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Si on se fait attaquer par un chien, ou par un chat, qu'est-ce ou par... Que cet endroit. On dirait que ça appartenait au WLF. Ou par quoi que ce soit d'autre. Attention. Ils nous prennent pour des moutons. Montrez les crocs. La propagande WLF. Ça me rappelle les Lucioles à Boston. J'avoue. Au Nouveau-Mexique, c'était les corbeaux. Il s'était autoproclamé protecteur de la Constitution. Ah. Un dialogue. Viens ici. Et c'était qui exactement? Des ex-fédra qui voulaient plus se plier à toutes leurs règles. Ils menaient des raquettes de protection. Et étaient polygames. Des grands hommes. Tu m'étonnes. Ouais.
Ouais, bonne ambiance quoi. Donc nous dans le 1 on avait les lucioles, eux ils ont eu les corbeaux, là il y a les c'était quoi les bah du coup il y a la WLF, etc. quoi. Bref. C'est quoi? Voilà les plans pour attaquer ce qu'on voit. La vache, le WLF a complètement anéanti l'armée. Ils sont vachement plus efficaces que les lucioles. J'avoue que ouais, ils ont l'air quand même bien plus efficaces et peut-être un peu plus armés aussi. Ouh, c'est quoi? Parfait, ça. Grenade incapacitante. Oh. Ah, c'est sympa, mais bon. Moi, ça fait pas des explosions, je suis pas fan. Hein. En attendant, on a débloqué le craft pour en faire, donc ça pourra servir. On pourra s'en faire si besoin est. Du coup. Attends, il y avait un truc plein, c'est quoi? Ah, c'est une bouteille, ouais, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Un holster. Et ben, on va s'en équiper carrément. Pouni et Ghost auraient adoré ce truc. Qui ça? Des chats que j'avais adoptés avant d'arriver à Jackson. Mais ils n'avaient pas vraiment envie de nous suivre, donc. Il me manque ces petits griffouilleurs. Et des animaux de compagnie? Non, c'est pas trop mon truc. Et ben, peut-être que quand tout ça sera fini, on pourrait en avoir un. D'accord. Tac, on va au moins se faire un molotov pour pouvoir récupérer ça. Et donc on a récupéré le holster qui va me permettre d'avoir deux armes directement à portée de main. Donc ça c'est plutôt cool. Deux armes, en tout cas deux armes de poing. Et du coup j'ai juste à faire ça. Si je veux changer l'arme. Ok, bon bah c'est cool ça. Attendez, mais du coup là. Oui voilà. Là je l'ai directement à la main. C'est si je veux changer d'une arme à l'autre. Quand on aura plus d'armes de poing, que Je pense qu'on ce a sera tout fouillé intéressant. ici. Bon, et ben ça fait une zone de plus explorée, ça. Est-ce qu'on a d'autres infos? Bah sur la porte juste à côté, en vrai. Ah bah oui, le truc de musique. On va aller voir ce qu'il peut y avoir. Allez, Dina, on se dépêche. Les viewers t'attendent, Dina. Bon. J'imagine que la porte va être fermée. Ah non. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Un Tu pourrais te banjo! balader, essayer des instruments. Je suis sûre qu'on trouvera assez d'équipement pour monter un groupe. Tu sais jouer d'aucun instrument. Et alors? J'apprendrai toute seule? Mais comment on dit ça? Bon esprit. Ouh. Par contre, le magasin était ouvert, donc potentialité de Yo, zonzon. écoute ça. Oh, waouh, c'est intéressant comme son. Désolée, ça me vient comme ça. Allez, dis-le. Je t'aime. Peu importe. Mon On va monter un groupe. mignon. Et toi, tu seras ma groupie. T'as quoi? Ben, tu sais, les personnes qui suivent leur groupe préféré partout dans le monde. C'est pas déjà ce que je suis en train de faire? Si, un peu. Si, on peut dire ça. Trop de papier. Trop de papier. Et bah écoutez, je vais me recréer un kit de soins supplémentaire. Par contre, il va falloir trouver de l'alcool. Et pour pas faire de conneries, on va se mettre la brique dans la main plutôt que le kit de soins. Ah mais potentiel zonzon, hein, je rappelle, hein, la porte était grande ouverte. Oh. Oh.
jeu sait me parler. Le jeu sait tellement me parler. Bon. Ah, raté. Qu'est-ce que tu joues ? Rien. C'est peut-être rien, mais c'est très joli. Tu te rappelles cette nuit près du feu ? Ouais. Ils ont vraiment mis cette musique. T'aurais dû m'embrasser. J'en avais envie. Moi aussi. Allez, on se remet en route. Ouais. Eh ben, je m'attendais tellement pas à entendre ça dans The Last of Us. Ça rend trop bien. Ça rend juste beaucoup trop bien. Je la veux encore! Ah mais c'est-à-dire que du coup... Genre je... On peut jouer nous-mêmes. Ah c'est génial. Bon, je suis à peu près une grosse béille ambulante en musicalement parlant, mais Ok. Non, en vrai c'est cool qu'ils aient mis ça. C'est tout con, mais je trouve ça génial. Ça sert à rien. Enfin peut-être que ça sert à rien. Enfin probablement que ça sert à rien. Mais je trouve ça génial.
Bon. Il y en a des disques ici. The Sleek Habit. The Sick Habit. C'est pareil. C'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. J'écoutais juste. Ah, j'ai pas craqué. Il y avait un trou. Je l'ai pas vu. Les enfants, regardez où vous mettez les pieds, ok. Mieux. Bon. J'ai envie de dire que je pense que ici c'est réglé, on a fait le tour. Je pense qu'on trouvera rien d'autre par ici. Ouais, zone de la carte explorée. Et très bien. Il y aurait quoi par là, tout hasard? Donc on est en hauteur au lieu de descendre directement. J'aurais fort potentiellement accès à quoi? Un tiroir. Ah, des balles? Ouais, carrément. Vous pouvez avoir une arme par étui. Les armes secondaires sont rangées dans votre sac à dos. Oui, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On maintient carré, ça nous fait changer l'arme qu'on a. Sélectionner le revolver, c'est le tuto. C'est bien gentil, mais du coup on a deux fois le revolver, c'est chiant. Je veux l'autre, le pistolet automatique à portée de main rapidement. Alors... La vache, pas mal le dessin. Un jour comme un autre au paradis, j'avoue, très très classe le dessin. Ouais, très très classe. Oh, ici c'est... Sa paillette! Qu'est-ce que ça dit? Sa paillette! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a plein de trucs de nouveau d'ailleurs. Idaho Falls, Dina a attrapé 3 lièvres ce soir et pose des pièges comme lui a appris sa sœur. C'est hyper efficace. J'ai toujours peur de retrouver l'appétit, j'essaie de me forcer. Twin Falls, on a trouvé un camp le long de la route principale. Si c'est celui de Tommy, il doit pas avoir beaucoup plus d'un jour d'avance. On s'approche de Boaz. Boaz. Dina veut qu'on fasse un détour, j'ai pas envie de rallonger le voyage de 2 jours. Les chasseurs ont essayé de nous prendre par surprise, ces enfoirés avaient pas la moindre chance. On cherchait des ressources et je regardais Dina, j'ai ressenti une profonde estime pour elle, je l'aime vraiment. Oh, c'est mignon. Baker City, on a vu des chevaux sauvages aujourd'hui. Ils étaient farouches au début, mais Dina leur a donné des fruits qu'on avait cueillis. Finalement, ils nous ont suivis un moment, j'aurais voulu avoir un appareil photo. Je l'avais jamais vu sourire comme ça. Pendant quelques heures, j'ai pas pensé une seule fois au WLF ou à Joël, je me sens coupable. Ouais. J'ai du mal dormir, je continue à le voir avec sa tête. Dina a l'air malade. Elle a dû attraper froid, je me sens plus calme quand elle est allongée à côté de moi, j'ai envie de lui faire plaisir. Yakima, on a encore vu un camp sur le bord de la route, on ne sait pas si c'était Tommy, mais on a vu personne d'autre depuis 2 semaines, donc on croise les doigts. Et du coup, à l'instant, paillette, tu bouges trop. Très bien. Faudrait que je pense à le regarder un peu plus souvent, ça, en fait. Je vais marquer l'endroit. Oui, marque-le, mais tant qu'à y être, on va le fouiller direct. Qu'est-ce que... D'accord. Oh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Tu m'étonnes. Ouais, on a même la notice. Placer le truc sur la peau. Le tenir fermement jusqu'à ce que ça fasse clic. Tenir en place pendant 3 secondes. Et observer sur l'écran. C'est ça? Placer l'extrémité de l'appareil contre la peau. Appuyer fermement sur l'appareil jusqu'à entendre un clic. Maintenir en place pendant 3 secondes. Consulter les résultats sur l'écran central. C'est pas si mal en vrai. C'est le retour du Link à peu près. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. Et voilà, tout plein de loot. Calme-toi, Jacqueline. Ça va bien se passer. Oh, un établi. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la stabilité, ça me paraît pas mal. Non, par contre, je trouve ça très très cool que du coup
elles prennent le gun différemment en fonction de comment, de ce qu'on améliore. Je pense qu'au prochain coup, j'améliorerai le fusil. Peut-être la capacité en vrai. Parce que bon. Ouais, peut-être que le prochain, je prendrai le fusil, on verra. On verra, on verra. D'abord, range ça, choupette, hein. Ça va bien se passer. Et pour le coup, ben, on a l'air pas mal ici. Attendez, on peut passer là? Non. Des broussailles trop broussailleuses. Ça passe pas. Et nous revoilà avec Paillette, qui bouge trop. Bon, eh bien écoutez, après ce petit tour en ville, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode un peu plus posé vous a plu. On a quand même tué un zonzon, donc ça va. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour bah, continuer à fouiller partout. Mais d'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.